Les gilets jaunes, du grand n'importe quoi. Alors voilà, je sais pas combien de personnes vont pouvoir regarder cette vidéo, combien de personnes vont me critiquer, vont me juger avant d'avoir écouté ce que j'ai à dire. Voilà, les gilets jaunes, du grand n'importe quoi. Je fais un constat, je ne critique pas, je ne juge pas. Tu n'as qu'à regarder ma chaîne et tu comprendras que je ne critique pas, que je juge pas. Voilà, coach dans le développement personnel, tout simplement. Donc, du coup, j'avais juste envie de vous expliquer que les gilets jaunes, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi, en fait? Pourquoi c'est du grand n'importe quoi? Et pourquoi l'État, en fait, il se gaffe de vous? Vous allez dehors manifester, et puis après, vous allez au McDo, vous allez consommer. Vous allez consommer pour l'État. Vous vous plaignez, vous travaillez pas, du coup, vous perdez de l'argent. L'État, il s'en fiche de vous. L'État s'en fiche de vous. Vous comprenez? L'État, c'est pas eux. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne qui peut vous aider. L'État s'en fiche de vous. Il faut bien que vous compreniez. L'État augmente les prix et tout. Il y a qui va permettre une seule chose de vous réaliser? Qui, à part vous-même, à vous grandir, à prendre un état de conscience et grandir dans la tête, de grandir, ok? Vous grandissez, vous comprenez qu'il faut travailler, devenir la meilleure version de vous-même. Au bout d'un moment, vous allez comprendre qu'il faut apprendre, former, étudier. Et c'est comme ça que l'on évolue et qu'on va changer. À travailler sur nous, à travailler à l'intérieur de toi-même. D'accord? Voilà, c'est un petit coup de gueule, petite vidéo. Ah, ça fait du bien, j'espère que... Voilà, je sais pas combien de personnes vont me regarder, combien de personnes vont me critiquer, combien de personnes vont me juger, combien... Je sais pas. Mais j'avais envie de m'exprimer. Voilà, pourquoi? Parce qu'on est ici en France et on a le droit de s'exprimer et de dire, voilà, que c'est du grand n'importe quoi, ces gilets jaunes. Voilà, et donc du coup, l'État, c'est du grand n'importe quoi. L'État, les gilets jaunes et tout, c'est n'importe quoi. La seule chose qu'il faut faire, c'est travailler. Mais travailler sur tes projets pour t'améliorer. Voilà, travaille sur toi-même. Améliore-toi, forme-toi, apprends. Et tu verras que plus tu vas apprendre et te former, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas changer ta vie extérieure. Ta vie intérieure, tu vas la changer et ta vie extérieure va changer. Voilà, tout simplement. Bon, ça prendra peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà, mais au lieu de nourrir l'État et au lieu de perdre de l'argent bêtement, alors que tu vois que ça sert à rien, tu veux embraser la, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire une guerre civile? Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Une révolution? Contre des armées entières. Pourquoi? Parce que tu as cette colère et cette haine à l'intérieur de toi. Alors contrôle ta vie. Et ne me critique pas, ne me juge pas en me disant « Ouais, lui, c'est un gros bourgeois. » Parce que je suis loin de ça. Mais j'aime les riches, j'aime les pauvres, j'aime tout le monde parce que tout est amour et fréquence vibratoire. Et si tu aimes bien mon message, eh ben abonne-toi. Partage un maximum cette vidéo, tout simplement. Et puis voilà, je sais pas ce que ça va faire, peut-être 10 vues, 15 vues ou 10 000 vues, voilà, peu importe. Mais j'avais envie de m'exprimer, parce qu'on est en France et on a le droit de s'exprimer. Alors partage si t'aimes bien ma vision de voir les choses. Sur ce, je te laisse et je te dis à très très vite. Fable, l'enfant indigo, le sorcier, le chaman, ce que tu veux, le gourou. Voilà, peu importe. Mais enfin, j'ai pu réussir à m'exprimer, tout simplement. Sur ce, je t'aime, je te laisse et je te dis à très très vite. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse.